Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Ayame Zetsuna. Ça fait un long moment qu'il n'y en a pas eu, je tiens à m'en excuser, enfin un long moment pour vous, non, il y a eu un petit peu du n'importe quoi au niveau de la chaîne avec des épisodes qui ne sont pas sortis puis qui sortent au bout de 2 semaines, enfin. Enfin voilà, il y a eu pas mal de soucis, je vais essayer de reprendre un rythme plus ou moins normal, ou du moins un rythme un peu plus... avec un peu plus de présence, voilà. En tout cas, on s'est arrêté dans cet endroit, mais je me souviens plus ce qu'on devait faire, hein. Je tiens à vous le dire. Je ne me souviens plus. Cet endroit, vous sentez... Ah. Bien, c'est ici. C'est impressionnant, Endo. C'est sûr qu'il y a une veine de spirite puissante qui passe sous le sol ici. Ah oui, c'est vrai, on cherchait... Non. Bon, maintenant j'ai juste à faire l'incantation. C'était pour soigner quelqu'un? C'est qui, elle? Attends une minute, ne me dis pas que tu connais pas l'incantation. Oh non, ça va aller, ne t'inquiète pas. Ouais. Ouais. Donc... Alors, combien de temps ça va encore prendre? Allô? Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça ne suffit pas. Mon énergie seule ne suffit pas. Kill. Ouais, je vais l'appeler Kill. C'est ridicule. Si seulement je pouvais... Ton vrai pouvoir? Grand frère! Kill, mon frère! Kill! On va t'aider. Non, 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 non. Hors de question. Vous êtes trop petit, ça vous épuiserait. Quand je dis non, c'est non. La la la, je t'entends pas. La la la, je t'entends pas. La nanana, je t'entends pas. Mais ne venez pas vous plaindre si vous avez des ennuis. S'en fiche. Je ne sais pas si ça va marcher. Comment ça, tu veux dire que Zetsuna va... Non, je veux dire qu'ils n'auront pas assez d'énergie magique. Tu veux les aider, Kyo? J'ai bien peur que non, je ne comprends pas vraiment la magie de ce village, en fait. Que doit-on faire? Bon, attendons de voir, hein. On ne peut pas se permettre d'attendre. Ok. Bon, on va demander à quelqu'un. On va demander au chef. Je pense que le chef, il saura nous aider. C'est toi le chef? Non, c'est pas toi le chef. Si, c'est toi. Ah, c'est vous. Qu'il n'ait pas encore annoncé. Non, même les gosses sont en train de l'aider. Très bien, peut-être que vous comprendrez alors. D'ailleurs, vous avez vu, il y a la cam. Désormais, je pense qu'il y aura beaucoup de... Même voir tous les épisodes qui seront en facecam, parce que j'aime bien. Nous sommes des humains, comme vous, mais pas tout à fait pareil. Notre sang serait plus proche de celui des monstres que des humains. C'est pourquoi nous possédons une énergie magique bien plus importante que les humains normaux. Notre espérance de vie est aussi plus courte. Nous dépassons rarement la trentaine. Durant de nombreuses lunes, nos ancêtres ont été craints, détestés et arrachés à leur famille. Ils ont eu la vie dure, rêvant sans cesse de prolonger leur espérance de vie, se cacher attendant leur heure tout en se protégeant. C'est pour ça que vous viviez au cachot au milieu de nulle part. Les années ont passé et nos ancêtres ont continué à chercher comment prolonger leur espérance de vivre. Leurs recherches leur ont finalement donné un infime espoir. Petit à petit,
ils sont arrivés à une conclusion. Ils ont découvert que c'était en fait leur puissante énergie magique qui raccourcit leur espérance de vie. Comme c'est ironique, votre énergie magique est si forte que votre force vitale en est réduite. Dans un set, mais c'était au dépend de ce qui rendait unique. Ils ont développé une... Cette radiation depuis avec notre énergie magique réduit notre santé est meilleure et notre se dit il y a encore parmi nous qui ne sont toujours pas satisfaits. Beaucoup ont quitté le village en quête d'une meilleure suite. Frère aîné de Kill, Thor en fait partie. Ce jour personne ne l'a revu. Nous sommes toujours des sangs rares. Ça n'a pas changé. Nos vies sont toujours prisées. Par les monstres et les humains. Comment pourrions-nous partir d'ici et espérer nous en sortir indemne? Si vous ne partez pas... Alors c'est donc ça. Comprenez à quel point elle est précieuse. Que va-t-on faire, Endo? Bah laissons le faire hein. Voilà, c'est la priorité, c'est le sacrifice. Bah moi je suis désolé, je suis pas d'accord hein. Notre priorité c'est le sacrifice. Ils sont toujours en train de dire oui faut sauver Setsuna, oui machin. Et puis là ils font genre oui alors notre collègue faut pas qu'on le laisse mourir. Bah non, s'il meurt il meurt hein, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaye de me concentrer. On sait tout. Et alors? Allez, arrête. T'en as assez fait, petit. Les sacrifices donnent leur vie pour protéger tout le monde, pas vrai? Je pense que Setsuna est incroyable. Je veux dire, Endo. Et vous tous qui la protégez, vous êtes incroyables aussi, bien sûr. Mais elle essaye de nous protéger tous. Elle essaye de protéger l'avenir. Si elle meurt maintenant, je crois que je ne pourrai jamais me le pardonner. Je comprends, petit, mais... Ne sois pas si têtu. Rien à faire. Setsuna a risqué sa vie pour me protéger. Maintenant, c'est à mon tour. Allez-vous-en, tous les trois. Kill! Ça suffit, Kill. Si tu n'arrêtes pas, tu vas vraiment mettre ta vie en danger. Non, bon sang! Et Kill! Ne vous inquiète pas. Un peu de repos et il sera de nouveau sur pied. Ce n'est pas que j'envie pas Kill. Ce n'est pas que je n'envie pas les choix qu'il a fait dans la vie. Oh, génial. Les monstres qui sont là! Impossible, c'est la troisième fois aujourd'hui. Quel cruel caprice des dieux. Je vais emmener la jeune fille dans un endroit sûr. Allez-vous tous, cachez-vous dans une... On ne peut pas juste les combattre. Non, surtout pas, si l'un d'entre eux arrivait à s'échapper. Je crois qu'on n'a pas le choix. Allez, vous aussi, vous rentrez. Qu'est-ce qui n'est pas là? Ce n'est pas vrai, où est-il? Cherchons le petit. Bah ouais, on va le chercher. On ne peut pas s'appliquer si on ne peut pas assumer les conséquences. Évitons de nous battre et essayons de... Ok, donc, on n'a pas le droit au combat. J'espère juste que les monstres sont pas en mode... Tiens, il y a un coffre ici. On va aller le chercher. Éther 8, pas mal. Est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut pas sauter. Ça aurait été trop cool, mais non. Yeah. J'ai peur. Allez, grouille-toi. Ouais, j'ai peur. Ils sont juste à côté. Ils sont partis, apparemment.
Je me fais du souci pour Zetsuna. Retournons chez Hidoro. Zetsuna, tu ne devrais pas rester allongé. Je me suis inquiété pour toi. Formons ta garde et ta vie. Et ta vie est plus importante que tout, même nos propres vies. Sois plus judicieux que vous restiez allongé. Maintenant que les monstres sont partis, je vais aller chercher des armes médicinales. Je ne serai pas long. Hidoro, merci. Merci à toi. Tout cela est grâce à toi. Qu'est-ce que tu as? Il y a une minute, tu étais prêt à éclater en sanglots. Quoi? Pas du tout. C'est toi qui avais l'air de tout retourner, l'ancien. Oh non. C'était quoi? C'était pas la voix d'Hidoro. Les monstres, ce sont les monstres. Ils ont attaqué le chef. Je crois qu'il a réussi à s'enfuir. Non. Les monstres sont déjà de retour. Je pense qu'ils attendaient que quelqu'un sorte pour tendre une embuscade. Putain. Comment est-ce possible? Les monstres sont-ils en train? On dirait que les choses commencent à changer. Est-ce que notre espérance de vie est courte? Nous nous cachons comme si nous faisions partie de la forêt. Je commence à me demander si important que ça de rester en vie. Si on vit notre vie dans la peur, c'est comme si on était déjà mort. J'ai quitté ce village pour le monde extérieur car je voulais changer les choses ici. Je croyais que mon rôle était de trouver un moyen pour nous de vivre plus longtemps, mais j'avais tort. Et si je trouve, ça change rien. C'est toi qui dois changer en premier. Oui, c'est tout à fait ça, Endo. Si je veux changer, je dois d'abord changer. Le plus important, c'est que tu suives ton cœur. Nanana. Alors, merci. Maintenant, je sais ce que je dois faire tout d'abord. Je dois changer. Endo, vous tous, j'ai quelque chose à me. J'aimerais que. Si tu fais ça, nanana. Je m'en fiche, j'ai réalisé quelque chose. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps dure ma vie, mais ce que j'en fais. Je vis ma vie comme je le souhaite, je veux l'utiliser pour vous tous vous aider. S'il te plaît, Endo. D'accord. T'as bien raison. Merci à tous. Derrière cette maison, un chemin mène au pilier de Spirit. Très bien, allons-y. Reste ici à te reposer. Ne t'inquiète pas, on sera vite revenu. Alors, je suis le seul à remarquer que. Endo. Désolé, je sais que tu es pressé, mais je tenais à dire ceci. J'ai fait un rêve, et j'ai vu l'issue de notre voyage. Mais tu n'étais pas Endo. Je crie en ton nom, Endo, mais tu n'es pas venu. Je me sentais si triste, si seul. Et alors j'ai ouvert les yeux. Alors maintenant, même dans de tels moments, tant que tu es ici, je me sens en sécurité. J'ai le sentiment que tu nous protèges tous, Endo. Alors s'il te plaît, accompagne-moi jusqu'au bout de mon voyage. S'il te plaît, reste à mes côtés jusqu'au dernier moment. Ah, c'est beau. Bon, du coup, il y a les monstres qui sont de sortie. Alors derrière cette maison, il est censé avoir un passage qui mène jusqu'au pilier. Ah oui, ok. D'accord. Ah voilà, ok. Pilier de Spirit. Attendez, il y a quelque chose là. Celle de Gemme Foudre. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu ici. Ouais, c'est ça. L'énergie magique de chaque nouveau-né est extraite et canalisée dans sa spirit. On peut dire en quelque sorte que ce pilier est une masse cristallisée de toute cette énergie. Maintenant, je vais récupérer. Es-tu vraiment sûr de toi? Tu oses me poser la question? C'est. Ouah, c'est mon grand moment. Alors, laissez-moi. D'accord. Ah. Ils arrivent, l'énergie magique attire les monstres. Bah oui, de toute façon, on a accès de là, donc. Enfin, ces trois-là, donc. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de voir leur PV? Je ne sais plus du tout. Ok, donc génial. Déjà, là, ça loupe. Génial.
Ok. Donc en gros, ça a rien de les attaquer. Voilà. Parfait. Ah. Ouh. Ah, ils font quand même mal, hein. Moi, j'aurais dû utiliser mon sort de. Oh, ok. Ah, encore d'autres monstres. Ok, mais y a pas moyen de voir leur PV? Je sais plus. Ah si, elle pouvait voir. On a vu qu'il restait 14 PV. Ah bah non, peut-être pas en fait. Attendez, j'avais cru voir un. Ah merde. Ok. Ah si, c'est bon. Il reste à 144. Ok, on a vu en dessous. Allez, bim. Ah, c'est bon. 66 d'XP. 66, pardon, pas 70. Ah, ok, là, on a les trois en même temps. Parfait. Technique. Frappe croisée. Oh, my. Voilà, direct comme ça fait plus de dégâts déjà. Bon, sinon j'espère que le retour de ce let's play va vous faire plaisir. Parce que clairement, bah moi je suis content. Parce que ce jeu m'avait quand même manqué. Hein, on va pas se mentir. Ce jeu m'avait quand même manqué. Non, parce qu'il est quand même sympa comme jeu, donc. Ok. Plus qu'à attendre. Ok. Hop. Bim. Allez. Du vent. Ah, il est quand même 90 XP. Hein. Pas mal. Quoi? Encore? Putain. Ça commence à être chaud là. Aïe aïe aïe. Non mais sûr. Putain, ils ont trop de vie en vrai. Ok, on a déjà réussi à en tuer deux. Enfin, la moitié. Hop. Parfait, il n'en reste plus qu'un. Ça va être bon. Ça va être bon, on va se le faire. On va se le faire. Ah, 112 points d'XP. Merde, il est même pas monté. Oh putain. Non mais alors là, objet. Oh, il me reste qu'une seule potion. Ok, on est foutu. On est mort. Hein. Stock en piqué et attaque.
Alors par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que vraiment les combats sont pas juste malgré qu'ils soient en tour par tour, ils sont pas juste bah t'as un perso et il bouge pas. Vraiment, vous voyez la surface de combat, elle est toujours en train de, enfin ils sont toujours en train de bouger et tout, ça fait très vrai combat quoi. J'aime beaucoup. Je la sens, elle revient. Mon énergie magique revient. Ça va aller maintenant. Retournons au village. Tu vas t'en sortir tout seul. Ça va aller maintenant. Merci à vous tous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Sois prudent, petit. Ok, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Kaito. Bye tout le monde.